Maintenant que vous avez accompli votre premier chin-up, c'est le fun, on peut avoir du plaisir, mettre plus de progression, plus de défis, plus de challenges. Par exemple, faire plus de répétitions. Donc, viser par exemple 20 répétitions, c'est pas facile du tout. On peut aussi varier les tempos, aller très très vite, faire des répétitions très très rapides. Ou à l'inverse, très très lente, de monter plus lentement, descendre encore plus lentement. Toujours sans douleur. On peut aussi se faire des petits défis, par exemple, avec un bâton comme ceci. Donc, ça m'évite d'utiliser un swing, un élan. Fait un peu chaud. Je vais mettre en camisole. Ensuite, on peut mettre un peu de charge aussi. Donc, il existe plusieurs façons de charger. Par exemple, ceux et celles qui veulent augmenter leur force musculaire. On peut mettre, par exemple, une veste lestée. Ça, c'est une veste de 22 livres. On va faire des séries un peu plus courtes. Par exemple, plus en force musculaire. Je vais en faire en pull-up, en pronation. On peut utiliser aussi une ceinture comme celle-ci. J'adore ça. Donc, on vient mettre la charge au niveau de la taille. Donc, c'est super confortable. Rajouter du poids. Et ça, c'est une plate de 45 livres. On peut aussi charger un petit peu plus. Comme là, j'ai deux plaques ici. Et puis, ça prend beaucoup de temps. Tout comme guérir d'une blessure, apprendre une nouvelle langue, être bon dans un sport, être bon en chin-up, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai commencé à en faire quand j'étais très, très jeune, vers 12, 13, 14 ans. Puis, je le pratiquais beaucoup dans les parcs, tout ça. Puis, ça m'a vraiment pris du temps, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui est fait fort de nature. Je suis quelqu'un d'assez mince. Puis, j'ai travaillé super fort. Ça a pris un bon 5-6 ans pour réussir à faire plus de charges. Par exemple, au cégep, on mettait, j'avais ici, avec 3 plates de 45 livres, plus un 25 livres. Puis, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça a pris des années d'entraînement. Donc, c'est important de prendre son temps, la constance, d'avoir des objectifs toujours réalistes aussi. Ensuite, on peut utiliser des élastiques pour augmenter la difficulté, la résistance. Pour certains, là, j'ai la difficulté à le faire avant de pratiquer beaucoup, moi et mes camarades d'entraînement, à une main. Donc, c'est très, très difficile. Ça prend, c'est très dangereux aussi, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui peuvent se faire des blessures au niveau de l'avant-bras, au niveau de l'épaule aussi, du bras. Donc, à faire attention. Sinon, moi, dans mon entraînement, j'aime mieux pratiquer des excentriques. Donc, de redescendre lentement à un bras. C'est pas pour tout le monde, essayez pas ça sans supervision, sans entraînement. Et voilà pour les chin-ups et quelques étapes de progression pour rendre ça un petit peu plus difficile. À la semaine prochaine, capsule!